Donc là, on va partir du refuge du Grenaillon. Donc on a passé une magnifique soirée. Le repas était génial. On a vraiment bien mangé. La vue était splendide. Pff, les personnes à l'intérieur, super sympa aussi. On va partir rejoindre la vallée. Donc on a une longue descente à faire, à peu près 1000 mètres de dénivelé négatif à avaler. Bon, objectif de la journée, c'est de nous rendre au refuge qui est juste derrière ici, la barre rocheuse. Bon, on s'est arrêté au refuge des Fonds pour manger ce midi. On mange quoi ce midi, Rafa? Petite omelette pour moi, la petite salade qui fait du bien et la grosse salade qui fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir du vert. Et donc là, on a attaqué la montée vers le lac Dantin. Et hier, on était au refuge ici. Bon, à présent, on attaque la montée au col qui est juste un peu derrière ici. Donc il faut qu'on passe toute cette neige. Et là, vous pouvez voir qu'il y a trois personnes qui sont en train de descendre. Mais bon, on nous a dit qu'il y avait les traces et que le chemin était bien tracé. Donc ça devrait être assez facile vu que la neige est plutôt molle. Elle accroche bien. On va mettre un peu de crème solaire avant de monter parce que si le soleil reflète sur la neige, ça va accentuer les coups de soleil. Voilà l'envers du décor. On pourrait croire qu'on peut passer, mais en fait, je crois que c'est une très mauvaise idée. Je suis déjà épuisée. Mais on arrive au col. On a traversé le col Lanterne et on s'est arrêté au refuge juste après le col. Et on a décidé de quitter l'Exatrek parce que par là où le chemin nous fait passer, en fait, il y a encore beaucoup de neige et on préfère pas s'aventurer dans des terrains trop risqués. Et donc là, du coup, on va redescendre dans la vallée vers Servoz. Ça devient vraiment très très dur, chaque jour un peu plus difficile. Alors le terrain n'est absolument pas
difficile aujourd'hui, mais le corps, quoi, est juste épuisé. J'en peux plus. Vraiment, chaque pas, ça me demande une énergie. C'est dur. Bon, on arrive à Servoz après une longue descente là. Les jambes, ça fait mal. L'objectif, c'est de trouver un camping. Je pense que ça sera plus à Chamonix parce qu'au Ouche, il n'y a pas grand chose. Et on va se reposer 2 jours quoi. Avant de rattaquer l'Exatrek. Donc on est arrivé à Chamonix, on dort au camping des Marmottes en face du glacier des Bossons et on va prendre 2 jours de repos pour récupérer et puis surtout pour essayer de récupérer de notre maladie d'il y a 5 jours parce que donc notre corps est un peu fatigué de tout ça. Et donc là on attend le train, on va aller à Chamonix, on va faire un petit tour en ville, on va surtout faire des courses alimentaire et puis on va voir pour peut-être acheter des nouvelles chaussures à Rafa. Bon, on a échappé de justesse à l'orage. On marche quand même rapidement pour arriver le plus vite au camping et être le moins mouillé possible. Hier soir, en fin de journée, donc vers 17h, il y a un premier orage qui a éclaté. Donc vraiment, grosse rafale de vent, énormément de pluie, vraiment un très gros orage. Et puis ensuite, ça s'est arrêté un peu vers 20h, peut-être, ça s'est un petit peu calmé. Et puis ensuite, ça a repris dans la nuit, je sais pas, il devait être minuit. Encore une fois, énormément de pluie. Je peux vous montrer un peu ce qui s'est passé avec la tente. Le principal problème d'un gros orage, c'est que ça fait énormément de saleté. Mais ça, c'est à l'extérieur. Donc là, on peut voir un peu l'humidité quand même qui a traversé la paroi. On peut voir, voilà, là on peut voir quand même l'humidité. Ah, voilà, là on voit bien. Donc en fait, il y a l'eau qui s'est infiltrée ici au niveau du côté de la tête. Donc qui s'est infiltrée entre le plastique qu'on a sous la tente et la bâche. Donc c'est ces taches plutôt sombres qu'on voit. Et on voit carrément que bah, du coup, l'eau du coup rentre dans la tente. Mais bon, avec nos matelas, on craint rien. On sent pas du tout l'humidité passer au travers le matelas. Les bâtons qui étaient par terre, ben, sont tout sales. Le sac, tout sale. Les gants. Et puis, voilà, la tente, quoi. Donc là, il va falloir tout nettoyer. Donc voilà, c'est que du nettoyage. Un petit peu d'humidité dans la tente, mais pas dérangeant. Donc c'est pas très grave. On est chanceux. Bon, aujourd'hui, c'est le jour où je vais changer de paire de chaussures. Mais au cas. Bah en fait la semelle elle est vraiment très lisse. Et du coup avec la neige et tout, là je glisse vraiment beaucoup. Donc voilà. Au revoir cher Oka. Ce
Ça y est, on a rejoint à nouveau l'Exatrek. Donc on vient de partir de Léouche. Donc c'était aussi sympa parce qu'on était là en 2019 pour faire le tour du Mont Blanc. Exact. Donc on a reconnu quelques endroits où on est passé. Donc là pareil, je pense sur le sentier on l'a déjà fait, donc on va aussi reconnaître pas mal de paysages. Et là donc c'est direction le col de Vosa. Bon, aujourd'hui on est sur la première étape du tour du Mont Blanc et il y a vraiment beaucoup de monde. Et c'est drôle parce qu'on voit que les gens en montée ou en descente, ils n'utilisent pas leur bâton. Donc ça nous fait vraiment drôle et ça nous fait surtout dire que nous maintenant, nos bâtons, c'est carrément le prolongement de notre corps. On peut plus faire ça. Ça y est, étape finie pour aujourd'hui. On est arrivé au refuge du Miage où on va bivouaquer ce soir. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez voir derrière moi le glacier du Miage. Enfin, ce qu'il a l'air d'en rester parce que on voit pas grand-chose du glacier. Hein. La tente est plantée avec une belle vue, bien sûr. Et là, il y a Anna et René avec Ted qui surveille la tente. Nous arrivons à Les Contamines Montjoie. Donc, on vient de faire les courses pour 3 jours de nourriture. Ce midi, sandwich. Bon, on a essayé d'acheter aussi quelques fruits, pêche, abricots, pommes. Puis là-bas, on peut voir la tente qui sèche très très rapidement avec ce soleil. Pour affronter la chaleur. Allez, aujourd'hui on attaque la montée vers le col du Bonhomme. Apparemment il y a encore un peu de neige. Mais bon, là le sentier il est plutôt bien emprunté. Il y a à peu près, en fait il y a tous les randonneurs du tour du Mont Blanc qui sont déjà partis depuis à peu près une semaine. Donc les traces sont déjà faites, ça devrait le faire.
petite zone de bivouac de ce soir. Rafa qui fait ses massages. Et derrière, on voit la tente d'Anna et René. On a de très belles couleurs ce soir.